Bonjour à tous, cinquième jour d'aventure. Il est assez tôt dans le matin. Ouais, il est. On se lève à 5h30, là il est 6h15. Donc on va se diriger à la gare de Bratchov pour aller pour prendre un train, un long train, à peu près 5h, pour se rendre au bord de la mer Noire, donc dans une station balnéaire qui s'appelle Constanza. Donc là on est en train de vider l'appartement Airbnb. Et on va pas tarder à partir. Et c'est parti. Tout est surgelé. Hein. Et c'est écrit devant en fait. Oui, tout est surgelé. Ouais. Mais c'est pas surgelé que c'est mauvais. Hein. On essaye de prendre le ticket métro roumain. On va prendre le bus pour aller à la gare de Bratchov. Ah, c'est le truc du 36. C'est bon? Marc Olivier, tu sais où est-ce qu'on descend? Ok. Je trouve qu'on peut bien prendre le bus à chaque fois, c'est mieux. Tu fais comme une loco en plus. Tu voulais prendre quoi toi? Bah le taxi. Ouais, le taxi non. Ouais, tu vois, je trouve que c'est bien de limiter les le taxi genre. On est bien arrivé à Constanza, on a pris le bus, donc il y a beaucoup de vent, désolé pour le bruit. Dirige vers là où manger parce que là il est déjà 15h, on n'a toujours pas mangé. Après 5h30 de train, après deux bus, après avoir fait le check-in au Airbnb, on est arrivé à la plage de qui est assez vite de Mamaya. Donc c'est à côté de Constanza, c'est un très gros truc quand même. Donc voilà. Premier restaurant à Constanza, on a trouvé un petit boui-boui bizarre là. Avec des. Typiquement local, il n'y a que des Roumains, ça fait un peu peur. Et voilà. T'es content Grégoire?
bon mec, il va faire aller à tout le monde. Tu vas payer 4€ le repas. Hein. Et 4€ mon repas. On vient de finir le resto, désolé pour le vent, ça fait du bruit. Donc, on a eu pour 416 lei, donc ça fait à peu près 5-6€ par personne. Donc moi j'ai pris un burger, les deux autres ont pris une pizza, mais c'était une pizza surgelée, ça se voyait. Et il a pris un petit taï, c'est la saucisse spéciale de Roumanie. Voilà. Donc là on va se baigner. C'est le restaurant de la mafia parce que il y avait un club là, je sais pas quoi, DDB Sibiu. Ils faisaient tous peur en fait les gens là-bas. Pas pourquoi. Donc la plage c'était sympa. Donc là on rentre au Airbnb pour se réveiller pour ce soir, on prend une douche pour aller manger. Parce que la mer ça creuse quand même. Donc là on va essayer de traverser pour prendre le bus en face là. Mais je crois qu'on vient de le rater d'ailleurs. Faire un escalier directement, les Roumains là. Ils flattent leur ego. Allez, on fait des beaux ponts. Ça a été construit par Ceausescu, mec. Lui même. Son petit marteau. Ouais, c'est cool. Ils sont pour toi là, je crois, en bas là. Là, je prends ma photo. Attends, je vais là-bas, mec, je vais là-bas. Donc ce soir on essaie les donneurs roumains, les kebabs roumains. Donc, je sais pas ce que ça donne, mais c'était pas trop cher, ça allait. Donc on rentre cette nuit, on va aller manger sur la plage et ensuite on va couper la soirée dans un bar tout simplement. Voilà. Ouais, super. Ouais mec. Petit endroit qu'on a trouvé là. Ça partira.